Aujourd'hui, nous vivons comme si nous avions une population complètement sous anesthésie, une population qui souffre et qui ne se rend pas compte qu'elle souffre. Pour voir la souffrance de ce peuple congolais, il faut aller dans les hôpitaux, pas seulement à Panzi, dans tous les hôpitaux. Vous verrez des femmes qui accouchent et qui n'ont personne pour les assister, puisqu'elles ont tout simplement été violées ou abandonnées par leur famille. Je crois qu'au bloc opératoire, on résout le problème le plus urgent, mais finalement, s'il faut trouver une solution durable, il fallait absolument quitter le bloc opératoire et pouvoir dire au monde ce qui se passe en République démocratique du Congo. Les actions que nous menons ici à Panzi, c'est cette résilience de ces femmes, leur courage de faire face à toutes ces difficultés et toujours espérer voir l'avenir avec beaucoup plus positivement qu'être resté abattu et continuer à se plaindre. Je crois que quand je vois leur capacité de recommencer leur vie, refaire leur vie, moi ça m'a toujours encouragé et ça m'a toujours poussé à continuer à travailler pour elles, puisque je me rends compte que malgré la souffrance, malgré le fait qu'on a essayé de les arracher cette joie, la vie, ces femmes continuent à se battre pour le bien finalement de tout le monde. C'est très très impressionnant.